Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des messages d'âme à âme pour les liens d'âme. Pour ce mardi 23 février, vous savez que je bug sur les dates, donc à chaque fois je me concentre, donc j'ai bien dit mardi 23 février. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand, grand merci pour votre fidélité. Vous savez que j'ai créé cette chaîne, entre autres, pour vous aider du mieux que je peux vers le chemin, vers l'amour de vous-même. Voilà. Donc, sachez que je vous suis très reconnaissante pour tout ce que vous m'avez apporté et pour vos commentaires aussi, parce que vous vous soutenez les uns les autres. Voilà. Parce que ces liens sont très compliqués. En général, on n'ose pas en parler parce qu'on peut nous prendre pour des fous. Mais non, 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 on a bien les pieds sur terre. Voilà. Allez, on va commencer avec l'oracle de Gaïa pour voir quel est le message pour l'âme du masculin sacré. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Allez, c'est... Oh, tiens, il y en a une qui s'est invitée, je crois. Ouais. Allez. Quel message pour l'âme du masculin sacré pour mardi 23 février, s'il vous plaît. Alors, on vous parle de l'arbre de feu et d'intuition. Donc, je pense que le masculin sacré est en train de réveiller sa flamme de vie, est en train de raviver la passion, tout l'amour qu'il a pour sa féminine. Et il est vraiment de plus en plus câblé, connecté à ses intuitions, à ce que son cœur et son âme lui disent. Et pour moi, il écoute vraiment peut-être la nature quand il va se ressourcer. En tout cas, il est... Il cherche vraiment la plénitude et il écoute ce que son cœur, son âme a à lui dire. Et il fait de plus en plus confiance à ses intuitions. C'est comme si là, il se sentait ancré et en même temps très connecté spirituellement. Et du coup, il se sent forcément de plus en plus aligné avec lui-même, avec ce qu'il ressent. En tout cas, pour aujourd'hui, il a envie de nouveauté et il ressent vraiment toute la chaleur, toute l'ardeur de cette flamme qu'il y a en lui, de tout cet amour. Allez, on va voir pour l'âme de la féminine sacrée. Bon, voilà, en gros, on a un masculin qui a beaucoup de désir pour sa féminine également et qui est très, très intuitif aujourd'hui. Bon, là, il y en a trop. S'il vous... Ouh, oui. S'il vous plaît, mes guides. Alors, la féminine, vous êtes... Parce que je parle pour les féministes, qu'en général, vous êtes plus de femmes que d'hommes à me regarder, bien que il y ait de plus en plus d'hommes. Donc, d'ailleurs, je passe un grand bonjour à tous les hommes qui me suivent. Merci infiniment. Et c'est juste génial qu'on ait de plus en plus d'hommes sur ma chaîne, parce que comme ça, ça vous permet d'échanger entre vous. Alors, la féminine, elle aussi, elle est reliée entre la terre et le ciel. On a une féminine qui est également alignée, qui est dans sa complétude,
qui prend des décisions, qui est épanoui et qui croit vraiment, et en tout cas qui met tout en œuvre pour aller vers son accomplissement personnel, vers sa mission d'âme, vers son propre bonheur. Et aujourd'hui, elle est beaucoup dans la magie de la vie, tout simplement, dans la magie de cet amour divin. Et en dos de deck, j'ai la carte de la perception. Donc tous les deux, vous êtes très connectés. Vous êtes également donc, très connectés l'un à l'autre, mais également très connectés à votre intuition, à votre chakra du troisième œil. Aujourd'hui, vous êtes vraiment empreint d'amour, de sagesse. Et pour certains et certaines, vous pourriez avoir des illuminations, des déclics, des vérités aujourd'hui. Ok, allez, on va prendre un message de l'oracle des sortilèges. Donc, quel message pour l'âme du masculin sacré, s'il vous plaît? Waouh! Bon, quand je vous dis, le masculin aujourd'hui, il est hot. Il est très passionné, très très passionné. Élève-toi, passion, élève-toi haut dans le ciel, enflamme mon but, atteins le ciel. Là, il est complètement enflammé envers sa divine. Beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Il a envie en fait d'aller la retrouver là. Il n'a qu'une envie, c'est de la serrer dans ses bras. Ça, c'est clair et net. Donc, pour certains et certaines, vous allez avoir des belles et grosses montées de Kundalini aujourd'hui. Hein. Donc, ne soyez pas étonnés. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour l'âme de la féminine sacrée, s'il vous plaît. Alors là, on a un masculin qui est enflammé. Mais enflammé. Hein. Pour certains, de toute façon, ils vont aller voir leur féminine aujourd'hui. Hein. Ou en tout cas dans les jours qui viennent. Vous savez qu'il y a toujours un décalage. Le temps, on ne le maîtrise pas. Oui, et du coup, la féminine, elle ressent tout l'amour, tout le désir, toute la passion de son masculin. Et aujourd'hui, elle est pleine de confiance. Elle a confiance en elle, confiance en la vie, confiance en son masculin, confiance en ce lien. Et je ressens vraiment des très très belles énergies, là, une très belle télépathie énergétique entre vous. Oui, puisqu'on vous parle de grâce quand même, hein, sur le lien. Grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. On va prendre l'oracle de l'amour universel, je crois. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour le lien? Bon, quand je vous dis que ça va être chaud aujourd'hui, hein. sur le lien, on a union tantrique. Donc, accrochez-vous au niveau des énergies aujourd'hui. Hein. Ouais. Il va y avoir une très 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 forte connexion entre vous aujourd'hui. Vos âmes, là, s'appellent mais très très fortement. Pour certains, de toutes les façons, vous allez être obligés de vous voir. La source, là, vous pousse à vous retrouver. Donc, oui, ça risque d'être une journée un peu déstabilisante. Parce que l'envie va être très, très, très forte. Vous allez être archi connecté aujourd'hui. Hein. Archi connecté. Ok, et on va prendre une carte des murmures de la nature. Sur le lien. Allez, s'il vous plaît, mes guides. C'est comme si là, en fait, vous ne faisiez qu'un. Donc, il y a une très forte connexion télépathique entre vous aujourd'hui. Hein. Et pour certains, vous allez vous voir. Pour certains,
certains et certaines, vous allez recevoir des SMS en famille. Hein. Et on vous dit aujourd'hui, il va peut-être falloir prendre une décision pour vivre cette union tantrique dans la matière, dans la réalité. Hein. De toute façon, il y en a qui vont être poussés, ils n'auront pas d'autre choix que de rentrer en contact, que voilà, il va y avoir un très fort besoin de toucher l'autre, de sentir l'autre. Il y a également beaucoup de tendresse, hein. Vraiment, c'est presque, je ressens presque que c'est vital là. Ok, et donc on vous dit déployez vos ailes. Ok, donc de toute façon vous allez prendre de la hauteur. Hein. Et en dos de deck, je la prends parce qu'elle est très belle, on vous parle de rire. Donc oui, peut-être que vous allez rire parce qu'à certains moments, vous allez ressentir votre moitié et ça va être tellement fort que vous allez ouais, même en rigoler hein, parce que vous savez que ça arrive n'importe où, n'importe quand. Hein. Donc j'espère pour vous que ça n'arrivera pas lors d'un rendez-vous ou d'une réunion parce que vous savez que ces moments-là, ils sont très difficiles à gérer. Allez, on va prendre le petit oracle des guidances étoilées. Allez, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Waouh. Bon. Ouais, aujourd'hui, ça va être une super journée. Le bonheur. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B. Si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit B, celui qui est là au quotidien, mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse au quotidien? Posez-vous cette question. Voilà pour cette guidance. Très, très charnelle, on va dire. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie plein de belles énergies. Enfin, quoique peut-être pas trop, parce que vu comment... La passion va être au rendez-vous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Croyez en votre jumeau. Croyez dans le lien. C'est vous les créateurs de votre propre bonheur. Bye bye.